Bonjour tout le monde, c'est Gwendal. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode hein, avec vous. Aujourd'hui, enfin, les élections municipales. Élections municipales, donc, où donc, le maire, monsieur le maire, s'est représenté, bien sûr, avec ses adjoints et ses conseillers. Et comme je l'avais laissé entendre, j'ai fait une liste à moi. Donc j'ai fait une liste avec donc des copains à moi, enfin des copains, des personnes qui étaient avec moi, qui mes voisins, des voisins puis des amis. Et donc du coup on a formé une liste. Donc du coup je vais aller voter. Je vais aller voter parce que j'ai pas encore été voté. Ça vient juste d'être ouvert le bureau de vote. Donc à la base on devait faire ça dans la mairie. Sauf qu'en fait la mairie est trop petite et donc du coup on peut pas faire ça dans la mairie. C'est assez embêtant, mais bon, c'est comme ça. Du coup, on a réquisitionné le Ralis parce que la mairie étant trop petite, du coup, on n'a pas pu faire les votes dedans. Donc, la mairie, donc du coup, on va aller à Ralis. De toute façon, tous les ans, enfin, tous les ans, toutes les élections municipales ont fait ça. Puis, quand c'est les élections, toutes les élections, de toute façon, parce que à chaque fois, on est obligé. Donc, à chaque fois, tiens, il n'y a personne. Ah, je sais pas où ils sont. Merde, où ils sont? Et puis, ouais, bon, c'est pas grave, allez. C'est pas grave, je vais voter. De toute façon, vous êtes la preuve que je ne triche pas, que je. De toute façon, il y a personne. De toute façon, ça vient juste d'être ouvert en plus, alors. Il y a personne. Donc, on a tout poussé. J'ai fait ça. Ce matin, je me suis levé tôt, on a tout poussé, on a tout enlevé. Et donc, du coup, on a. Pour le bureau de vote, pour mettre le bureau de vote. Bon, allez, alors, on va prendre les deux bulletins. Le mien et celui de monsieur le maire. Voilà, on va dans l'isoloir. Alors attendez, Luc. Alors pour qui je vais voter? Question, pour qui je vais voter? Non, allez, je sais pour qui je vais voter. Allez, c'est bon, c'est dans l'enveloppe. Allez, je mets ça dans l'urne. Voilà, c'est bon. C'est mis dans l'urne. C'est mis dans l'urne. Et puis du coup, je sais pas. Mon nom est. Ouais, c'est. Ah, oui, c'est bon, je viens de voir mon nom. Ouais, mon nom, bon, c'est bon, mon nom y est. Bon, comme ça, au moins. Bon, de toute façon, ils verront bien qu'il y a quelqu'un qui est passé. Du coup, c'est vrai que je voudrais quand même bien parler à monsieur le maire, quand même. Lui souhaiter bonne chance, ce serait marrant. Ce serait assez marrant. Tiens, oh! Bizarrement, mon téléphone qui sonne. C'est qui? C'est monsieur le maire. Monsieur le maire. Oui, allô, monsieur le maire? Oui, bonjour, petit Gwendal, comment ça va? Bonjour à vous. Oui, mon petit Gwendal, donc quand même vous dire que vous n'êtes pas le favori pour les élections. Je sais, mais c'était pas prévu à la base que vous vous représentiez ici. Ah bah non, mais j'ai retrouvé la motivation de ma jeunesse, disons. Ah bon, tant mieux pour vous. Y a personne. Par contre, vous allez dire à vos conseillers municipaux là qu'il y a personne à Euralis. C'est grand ouvert, donc ils sont peut-être allés boire le café, j'en sais rien. Moi j'ai été voté. Je vous préviens quand même qu'il y a personne, donc c'est moitié dangereux. Si quelqu'un veut corrompre les votes, il peut, hein, il n'y a personne là actuellement. Donc, va falloir voir quand même, parce que s'il n'y a personne, ça peut être. Ouais, ça peut pas vraiment le faire. Ah, bon je vais voir ça. Ok, pas de problème. Pas de problème alors. Pas de problème. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est que je vous recontacte ce soir pour le dépouillement. Bonne chance à ce soir. Allez, allez, à ce soir, monsieur le maire. Bon, c'est bon. Bon, du coup, c'est bon. De toute façon, je vais continuer à travailler parce que jusque même si je suis élu, c'est pas un jour férié aujourd'hui. Donc, faut quand même aller travailler. Faut aller faucher le bord des routes. Il y a le bord des routes à aller faucher. Il y a le bord des routes à aller faucher. Il y a le bord des routes à aller faucher. Et puis, il y a aussi. Ah non, c'est vrai, je l'ai fait hier, ça. Je veux dire, il fallait aussi aller dépanner l'agriculteur en blé, mais je l'ai fait hier, donc du coup, j'ai pu le refaire. Allez, on va aller faucher vite fait le bord des routes. Oh là, il y a pas grand-chose à faire, mais bon, faut aller le faire. Bon, j'espère au moins que je vais être élu, hein. J'espère au moins que je vais être élu maire quand même, parce que ça me mériterait quand même que je sois élu, hein, étant donné que.
Étant donné quand même que voilà, j'ai cravaché quand même pour former une liste, parce que à la base personne voulait être dans ma liste, hein, donc bah, j'ai quand même un peu galéré. Et puis, voilà, au fur et à mesure, j'ai quand même réussi à me former une liste, hein, j'ai quand même réussi à trouver des gens. Puis bon, bah, on a une liste, donc j'espère qu'on va être élu. Vraiment, c'est ce que j'espère. Là, on va voir ce soir, hein, mais bon, vu le maire, il a fait des bonnes choses, le maire, hein, pendant son mandat, c'est pas le problème, mais. Ah, tiens, on va commencer par Fauché, ici, voilà, très bien. On va commencer là. Donc là, il a fait des bonnes choses, hein, mais bon, quand même, il y a certaines choses. Il y a certaines choses, bon bah, que voilà, qui reste quand même à, qui reste quand même un peu bizarre, quoi. C'est bon, faut juste le boire, histoire de faire propre, histoire au moins de se gagner un peu de notoriété pendant, oula, j'ai un peu muté, de gagner un peu de notoriété, non bon, souvent le reste on va lever vite fait, voilà. Gagner un peu de notoriété jusqu'au cours de cette journée, parce que le maire lui va rien faire aujourd'hui, hein. il va être au bureau de vote toute la journée, puis il va rien faire. Pendant ce temps là moi je vais bosser, et puis bon bah le temps que je suis à bosser, bah au moins je gagne un peu de notoriété et j'ai des chances d'être élu, hein. Vraiment à voir, mais pour moi c'est déjà tout vu, hein. Allez, on va lever là. Alors attendez, c'est, voilà, c'est ici qu'on lève. Je me suis trompé de manette, excusez-moi. Allez, on va aller faucher dans l'autre sens maintenant. Juste la continuité de la route là, mais dans l'autre sens. Et moi en tout cas, alors, le seul truc c'est que moi je vais être ce soir au dépouillement. Juste pour voir la tête de monsieur le maire s'il perd. Alors là, si monsieur le maire perd. Mais là, mais ça va être marrant. Mais alors pour commencer. Ah, j'ai oublié d'activer ma chaîne. Oh, bah, bravo. J'espère que personne n'a vu ça, non? C'est bon, il y a personne? Non, c'est bon. Parce que si les gens ils voient ça, ils disent ouais, c'est quoi cet employé complètement nul? C'est quoi ce cantonnier en mousse là? Non, faut bien que je vais faire bien mon boulot. Là, je pense que c'est la journée où faut que je bosse. Le seul truc, le seul souci que je me pose quand même, c'est si je suis élu maire, c'est très bon, c'est très bien pour moi. Je serais très content. Le seul truc, imaginez donc si. Si je suis élu maire, donc je suis élu maire, attendez deux secondes, je me perds mes explications là. En même temps, vu à l'heure que je me suis levé ce matin, un arbre, on va vite fait replier ça, vite fait. Si je suis élu maire, c'est très bien pour moi, mais le seul truc, c'est qu'il va falloir que je trouve un autre cantonnier. Hein. Là, c'est mon passe. Il va falloir que je trouve un autre cantonnier parce que moi, du coup, je vais être occupé à la mairie tout le temps. Mais du coup, bah, qui c'est qui va faire le métier de cantonnier là? Qui c'est qui va faire le cantonnier? Bah, personne. Va falloir recruter, donc bah, va falloir que je recrute un cantonnier maintenant. J'ai un ami là qui a pas de boulot, ça l'intéresserait peut-être. Je sais pas, faudrait que je lui demande, tiens. Bien, bah, je vais l'appeler maintenant. Je vais l'appeler maintenant, puis de toute façon, c'est un ami à moi. Puis je lui ai promis que ce soir. Allez, on va prendre large. Je lui ai promis que ce soir, si je suis élu, on fait péter le champagne. De toute façon, on va faire péter le champagne, ça c'est sûr. Mais on va faire péter le champagne chez lui. Puis c'est lui qui va payer la caisse de champagne comme ça. Oui, la caisse, hein, parce que c'est pas la bouteille, c'est la caisse chez lui. Allez, on va s'arrêter là. Ouais, on va s'arrêter au poteau, c'est bon. On s'arrête au poteau. L'autre, je l'ai fait il y a pas très longtemps. Donc on va faire péter la caisse. Bah attendez, je vais l'appeler tout de suite. Alors attendez deux secondes, par contre, je vais me garer vite. Ouais. Je vais me garer. Entrée de champ. C'est bon. Allez, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, attention, voilà, je sors mon téléphone. Alors. Allez, Bernard. Ça sonne. Oui, allô, Bernard? Oui, allô, Gwendal. Bon, Bernard, j'ai un truc à te proposer. Tu sais aujourd'hui que c'est les élections, et quand même. Bah oui, quand même. Oui, je t'ai assez bassiné avec ça. Le truc, c'est que. Voilà, j'avais un truc à te proposer. J'ai de grandes chances d'être élu maire, quand même. Oui, oui, oui. Du coup, toi qui cherches du boulot, si moi je suis élu maire, il n'y aura plus de cantonnier à Michamp, Baudange, dans les communes. Et donc du coup, j'avais pensé à toi. Ah ouais, carrément, ce serait cool. J'avais pensé à toi. Donc du coup, si ça t'intéresse. Carrément. Ouais, voilà, si ça t'intéresse, du coup, bah si tu veux, pas de problème, moi je veux bien.
Je vais bientôt embaucher, la mairie va bientôt embaucher, hein. Ah bah ça m'intéresse. Pas de problème, bon bah... ce soir tu viens au dépouillement ou... Oui, oui. Ok, bon bah du coup je te dis à ce soir. À ce soir. À ce soir. Bon, allez, c'est bon, à ce soir. Donc bon, lui, il est chaud, ça c'est bien. Au moins, je vais trouver un cantonnier si je suis élu. Bon, j'espère être élu quand même, hein, mais... j'ai trouvé un cantonnier si je suis élu. Et ça, c'est pas piqué des hannetons. L'expression nulle, mais c'est pas grave. Ouais, ce serait bien si je suis élu maire quand même. Hein. Bon, on va aller faucher par là-bas. À côté de Biocerre, on va aller faucher. Mais en tout cas, j'ai fait du bon boulot. Enfin, je pense avoir fait du bon boulot. En tout cas, un qui va voter pour moi, c'est sûr. C'est l'agriculteur. Lui, c'est sûr, il va voter pour moi. Avec tous les services que je lui ai rendus. Et s'il vote pas pour moi, là par contre, je comprends plus rien. De toute façon, j'ai un vote. Hein. Ça, c'est sûr. Mais un vote sur tous les habitants, ça va pas faire assez. Donc, du coup, bah, il va bien falloir que je. Qu'il y a des gens qui votent pour moi. D'autres, en tout cas. Je vais faucher autour du guet parce que. Il y a des gens qui passent par là le matin. Hein. Et on a beau croire, mais il y a des gens qui passent par là le matin. Et du coup, bah c'est moitié dangereux. Donc je vais faucher. Ah, c'était bon, je changeais bien, pas comme tout à l'heure. Je vais bien faucher autour du guet, comme ça au moins, ça va être beaucoup moins dangereux. Oula. Et il va falloir que je roule trop vite et que je lui agace le matériel parce que. Je sais pas si ils vont m'élire. Hein, si je casse le matos. Hein. Si je casse le matos de la mairie, je vais avoir l'air fin, moi. Je vais avoir l'air fin. Bon, on va faucher de l'autre côté. Au moins faucher les abords, hein, puis je vais peut-être un peu la gadoue enlever. Allez. Oh, et le tracteur tout terrain. En tout cas, la seule bonne chose qu'a fait le maire dans son mandat, c'est acheter un tracteur. Et je sais pas comment je cabane là. Non, c'est bon. Là, c'est bon. Le seul truc qu'il a fait, c'est acheter du bon mail. Là-dessus, on va pas lui dire non. Et par contre, c'est juste ça qu'il a bien. Non, je déconne, il a fait des trucs bien quand même pendant ce mandat. Faut pas non plus. Faut non plus lui cracher dessus. Hein. Non, mais c'est bien, je suis content. En tout cas, je suis content. Alors, puis ça, on va aller faucher un peu plus loin. Je vais les faucher par là-bas. Enfin, par là-bas, vous m'avez compris. Oh non, c'est bon, ça va le faire. Du coup, est-ce que Biocerre, il avait besoin que je fauche leur... est-ce qu'il y a quelque chose à faucher ou non? Non, il n'y a rien à faucher là-dedans, parce qu'il m'avait dit, ouais, machin, faudrait peut-être que tu viennes couper l'herbe. Oh, ouais, bon, ils ont un peu d'herbe, bon, allez, je vais quand même couper ce qu'ils ont. Ils m'ont dit, bah, tout, puis tous les gens de Biocerre, bah, quoi que... Oh, c'est le patron, je crois que le patron de Biocerre habite à Michamp. Ah, je suis pas... si, je crois que le patron de Biocerre habite à Michamp, mais je suis pas sûr. Hein. Mais je crois que si. Je ne sais pas pour le nombre d'habitants qu'il y a, mais il est bon quand même. Ça me plairait quand même que... Bon, de toute façon, lui, pareil, Baudange, je lui ai rendu. Et quand je suis venu déneiger tout ça... Quand je suis venu déneiger le Biocerre... Oh non, mais c'est bon. Enfin, je crois bien que... Lui, il peut bien voter pour moi. Hein. Le service que je lui ai rendu... Après, à savoir aussi si je vais faire un bon maire. Question. Bon, c'est à peu près tout ce que. Bof. Attends, je vais juste faucher un peu là. Encore là. Tiens, y a... Puis, ouais, je vais faucher là. Comme ça, au moins, il va être content. Je vais quand même bien y faire les choses parce que. Je sais pas quand il va aller voter. S'il va voter avant qu'il vienne travailler, c'est bon. S'il va voter après. Après, il a été bossé, s'il vient bosser après avoir voté. Attendez deux secondes, mes explications. Et ça se voit que je me suis levé tôt ce matin. Alors, marche arrière, voilà. Attendez, je me concentre bien, faire marche arrière. C'est bon. Donc si, attendez deux secondes, je recommence. Le truc, c'est qu'il faut qu'il vienne voter. Mais il faut qu'il vienne voter. Pas quand il a été travaillé avant. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Comme ça, il va dire, wow, Gwendal, il a fait du bon boulot, machin. J'ai rien compris à ce que je viens de dire, moi. C'est pas grave. Faucher, tiens, le petit truc, là. Voilà, allez, voilà.
Bord des silos. Affaucher le petit carré d'herbe là. Oh, c'est plus ça, c'est bon. On va dire que c'est bon. C'est bon. Genre, ça a repris, c'est bon. Puis bon, bon, allez, on va rentrer à la mairie. Ça sert à rien de rester plus longtemps. Allez, on va rentrer à la mairie. Bon, moi j'aurais un peu bossé aujourd'hui. Moi j'aurais pu faucher là le bord des. Bon, c'est pas grave. Je reviendrai une prochaine fois. De toute façon, va falloir que j'aille. Voir. J'ai le tracteur là qui fait un drôle de bruit là, depuis. Depuis hier. Je sais pas ce que c'est. Il fait un drôle de bruit, je sais pas, il fait un. Comme un moteur qui. Attendez, je. Voilà. Regardez ma manette, je regarde même plus la route moi. Il fait un bruit de tic-tic, je sais pas trop ce que c'est. Le patron de Terena, est-ce qu'il. Ouais, Terena. Non, bah non, Terena, non. Je crois que le patron est en vacances, donc c'est mort. Il fait un drôle de bruit. Je sais pas ce que c'est, ça vient des. J'entends ça du boîtier là, où il y a toutes les manettes de relevage. J'espère pas que ça vienne là parce que là, le prix. Oh là là. Mais le prix que c'est. Tiens, il a labouré, j'avais pas vu. Oh, il a labouré, tiens, j'avais pas vu. Ça appartient au fermier là. Fermier, la femme qui est juste là. On tourne. C'est bon. Allez, il y a. Mais toujours personne. Ouais, va quand même falloir que le maire il bouge un peu sous ses fesses là. Parce que s'il y a des. Je crois qu'il y a des gens qui sont venus voter, hein, mais. Mais s'il y a personne qui vient voter. Enfin, s'il y a du monde qui vient voter. Et puis que. Bah, il y a personne. En 6 mois, ça va, mais. Si c'est d'autres gens, les autres gens ils vont dire ah bah le maire, ça c'est bien pour moi. Et dire le maire, bah il est même pas au bureau de vote, qu'est-ce qu'il fait? Ils ont ouvert les gens, mais ils ont pas cherché plus loin que leur nez. Bon, je sais, bon, je sais pas. Allez, on va garer ça comme ça en espérant être élu maire. Moi je vous dis, bon, il n'y a pas de raison, hein, mais en espérant. Voilà, allez, je sors là, voilà. Bon, bah on verra bien. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Et puis, je vous donnerai des nouvelles de mon élection, enfin de mon élection ou de mon non-élection. On verra bien. À plus tout le monde.